Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter mon nouveau PC. Alors, c'est un PC que j'ai acheté, ça fait longtemps que j'économise pour ce PC. Et je vais un peu vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Alors pour le début, je voulais déjà avoir un boîtier blanc et tout le matériel qui est dedans connecté ensemble pour que je puisse choisir la couleur que je veux. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant avec toutes les différentes couleurs. Alors ouais, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, ouais, c'est un PC que j'ai monté tout seul. Je préfère avoir un PC monté seul qu'un truc déjà acheté, car souvent, quand c'est déjà acheté, on sait pas trop tout ce qu'il y a dedans et je trouve ça moins bien. Alors, bah, je vais commencer à vous dire tout ce que j'ai mis dedans. Alors, on va commencer pour un processeur. Pour le processeur, j'ai choisi un Intel Core i5 13600KF. Ouais, je trouve que c'était genre le dernier qui est sorti. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai pris celui-là. Pour la carte mère, j'ai pris un Gigabyte Z790 Gaming XAX, qui est aussi un des meilleurs, si je dis pas de conneries. Le boîtier, justement, celui-là que je voulais avoir lui en blanc, c'est de la marque Corsair, un 5000X. Corsair, c'est vraiment une marque où j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai aussi acheté l'alimentation, qui est Corsair. J'ai pris l'alimentation, j'ai pris un Corsair RM 850X qui est du coup 850 watts pardon. Et pour la ventilation, j'ai pris aussi des Corsair, j'ai pris 3 Corsair LL 120 RGB. Après, pour la carte SSD, j'ai pris un Samsung 990 Pro 2 Tera. C'est important, je trouve, de prendre beaucoup de place, car sinon j'hésitais à prendre 1 Tera, mais je me suis dit c'est pas assez, du coup j'ai pris 2. Pour la mémoire vive, j'ai aussi pris un Corsair, le Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz. Ouais, comme je dis, j'ai pris beaucoup Corsair. Maintenant, pour la carte graphique, j'ai pris un RTX 4070 Ti Asus TUF Gaming OC Edition. Après, pour le refroidissement du CPU, j'ai pris un Corsair H150i Elite Capellix. Voilà. Et maintenant, si on passe à souris clavier moniteur, alors pour là, je me suis plus focus sur Asus. Pour la souris, j'ai pris Asus ROG Spata X. Je le trouve extrêmement stylé avec les LED et tous les boutons qui sont à la hauteur du pouce. Après, on a pour le clavier, j'ai pris Asus TUF K7 avec les lumières et le petit repose poignet qu'on fixe avec un aimant. Pardon. Et pour le moniteur, finalement, j'ai pris un Asus TUF VG27WQ. J'ai pris ce moniteur parce que déjà c'est un 2K, ce qui est assez bien, et il a un haut taux de rafraîchissement, il a de 165 images par seconde, ce qui est franchement pour jouer, par exemple je joue à Halo, c'est très 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 bien. Et voilà, j'ai fini de filmer, de vous montrer mon PC avec un peu mon setup. Je vous laisse avec quelques images et à la fin je vais vous montrer un petit truc stylé que je peux faire avec la musique et les LED. En gros, les LED sont connectés avec la musique. Bah, merci d'avoir regardé et à bientôt. Let's go.